Voilà, bonjour mes chers amis. Il m'a été demandé par les réseaux américains, Yali, The Young African Leader Initiative, de procéder à cette conférence d'une importance cruciale, la grande conférence en ligne sous le thème L'importance du digital durant la période de la pandémie du coronavirus, cette période. Alors, je suis Benny Mbouini, journaliste, entrepreneur et membre du réseau Yali. Je suis expert en communication digitale, licencié en sciences d'information et communication aussi. Ah, voilà, nous allons procéder à cette conférence. La présentation se présente de la manière suivante. Comme vous le savez, depuis les mois de février et mars, le monde entier était alerté suite à la propagation de la pandémie de coronavirus, la pandémie dévastatrice venue de la Chine. Se développe par une grippe forte et la fièvre et souvent se transmet par contact direct. Et cette épidémie bat encore son plein récemment et qui a fait plusieurs cas et des pertes en vies humaines. Disons une hécatombe dans notre société, dans notre planète, car aucun remède n'a encore été trouvé en cette période, en ces moments où toutes les activités sont bloquées dans plusieurs pays continentaux, dans plusieurs pays de notre planète. Malgré les déconfinements progressifs dans quelques États, d'une part, le coronavirus a causé des crises considérables dans les États sous-développés, mais aussi développés, comme les États-Unis, New York, la Chine et la France. Et l'Italie aussi était aussi parmi les victimes. Mais comme nous le savons tous, concernant le nombre de cas, l'Afrique n'est pas très touchée, comme en Occident. Néanmoins, Dieu merci, les travails et les activités dans certains coins du monde continuent en mode télétravail et virtuel, ou tout simplement travail en ligne par les moyens d'Internet grâce à la digitalisation, numérisation ou encore. Dont ces derniers ont permis la continuité de certaines activités, comme les cours en ligne pour les élèves et étudiants. Pour définir la digitalisation, pour aller encore plus loin, parce que je serai un peu bref, comme on m'a recommandé, la digitalisation n'est rien d'autre que la transformation des processus traditionnels, des outils ou encore des professions en utilisant la nouvelle technologie. Quand on parle du digital, c'est tout simplement l'équivalent du numérique. C'est la même chose. Bon, selon les définitions diverses. Le numérique est la représentation des informations en binaire. C'est l'informatisation. Actuellement, on peut distinguer trois approches de transformation digitale. Approche métier, qui consiste à la transformation des outils nécessaires à la réalisation des tâches de vos employés ainsi que des activités. L'approche organisationnelle, qui consiste à la transformation des processus organisationnels qui s'appuient sur la nouvelle technologie. Et enfin, l'approche client, qui consiste à proposer une expérience client digitale satisfaisante de manière à accompagner les clients en ligne et accueillir de nouveaux clients pour les entreprises et d'autres organisations, mais aussi pour la virtualisation. Alors, le point suivant, c'est l'impact de la digitalisation en cette période de coronavirus. La COVID-19, comme nous le savons tous, en ce qui concerne l'impact de la digitalisation en cette période de coronavirus, comme nous le savons tous, la COVID-19 nous a amené donc à repenser totalement notre manière de travailler, favoriser les actions de télétravail, digitaliser les outils et les processus internes des entreprises et nos activités confondues. Tout cela aujourd'hui demeure au centre des discussions dans la situation récente de la pandémie mondiale, ou la pandémie du siècle, comme le président Macron l'a dit, la troisième guerre mondiale. Et la transformation digitale en cette période de coronavirus n'est pas une priorité pour les entreprises et autres activités, mais une question de survie pour survivre, mais aussi à des climats économiques complexes. Car le digital est la solution adaptée
pour notre quotidien, pour surtout en cette période de confinement, dans d'autres pays, en Afrique aussi. Parlant de cette période de confinement, la digitalisation a une importance cruciale, non pour s'adapter à un mode de consommation, mais pour un besoin économique en vue de permettre aux entreprises de survivre à des conjonctures économiques complexes. Sur ce, on peut prendre, pour exemple, l'ensemble du domaine éducatif qui doit totalement repenser sa manière de former les élèves. Ce n'est pas un simple changement d'outil. Il nous faut améliorer la manière de livrer les cours en digital, autrement dit, cours en ligne. Surtout en Afrique, là où il y a encore des contraintes économiques et techniques qui s'aggravent encore. Et elle s'aggrave encore en cette période de confinement de la pandémie du coronavirus. Cela va beaucoup aider pour éviter la perturbation du programme. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas actuellement en Afrique, là où il y a les pays, il y a des difficultés diverses, entre autres dans les quartiers bidonvilles. Plusieurs élèves et étudiants africains. La majorité chôme aujourd'hui à cause de cette contrainte économique en cette période de coronavirus. Il ne permet pas aux élèves et étudiants d'avoir des cours conformément aux programmes scolaires adaptés, ainsi que les programmes académiques respectifs. En ce qui concerne la digitalisation africaine, ce moment est un moment très crucial pour la prise de conscience. Certes, ce problème vient au niveau des sous-développements, mais aussi c'est une situation pour les États africains de mettre à la disposition des jeunes et toutes les classes sociales l'accès gratuit à l'Internet. Alors, pour la digitalisation et le télétravail, nous rappelons qu'en Afrique, en l'occurrence en RDC, l'Internet coûte cher par rapport à d'autres États et la consommation et les vitesses sont limitées. Il y a ceux qui disent non, il y a un problème récurrent de la fibre optique, ainsi de suite. Dans cette crise des corona, les PME sont les premiers à souffrir de cette carence en digitalisation. Surtout dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas un modèle économique excellent. Il n'y a pas un modèle économique parfait. Et les petites et moyennes entreprises sont les premiers à souffrir de cette carence. Il n'y a pas vraiment un modèle économique stable, disons. Et cela constitue un sérieux problème de crise et la déstabilisation de nos habitudes de travail. Avantage de la digitalisation. Donc, étant confinés, nous devons assimiler qu'avec la digitalisation, on peut facilement travailler à la maison, commander quelques produits en ligne via Internet ou autre application numérique, faire nos transactions, envoyer de l'argent, faire la publicité virtuelle. Faire des transactions, envoyer de l'argent aussi sont très cruciales aujourd'hui même en cette période de confinement. Mais aussi faire des publicités virtuelles, faire des réunions en vidéoconférence, comme c'est le cas où on les constate aussi ces derniers temps par le ministère et la présidence de la République. Il y a aussi aujourd'hui les conseils des ministres qui se font en ligne. Même le sommet. Le coronavirus, malgré tout, a apporté un intérêt incroyable et considérable du digital. Retenons aussi qu'il y a plusieurs opportunités, comme le fameux télétravail. Bref, tout est digitalisé aujourd'hui. Si vous avez des questions ou autres suggestions, n'hésitez pas à nous écrire par message sur la même page ou faire des textos ou un commentaire. Merci pour votre attention. Et nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes sanitaires pour éviter la propagation de la pandémie dévastatrice du coronavirus. Thank you very much, the Young African Leaders Initiative, pour cette belle initiative.